Les fidèles de l'église kimbanguiste de Goma ont défilé dans les rues de la ville ce jeudi pour célébrer en grande pompe la journée de Kimbangu suite à la décision du président congolais Félix Tshisekedi d'en faire un jour férié officiel en mémoire et en reconnaissance du combat de Simon Kimbangu. Nous avons beaucoup de défis à relever dans notre pays, mais à compter d'aujourd'hui, grâce à la reconnaissance officielle du Kimbangu, tout ira pour le mieux dans notre pays. Nous souhaitons avant tout que la paix revienne dans notre pays et dans le monde entier pour permettre le développement de l'Église. Le 6 avril 1921, alors que le Congo était encore une colonie belge, Simon Kimbangu aurait reçu une révélation pour prêcher l'émancipation de l'homme noir face à la colonisation. Et qui marque le combat de Papa Simon Kimbangu et la conscience africaine. Donc c'est toute l'Afrique qui est en joie du fait que le gouvernement congolais a pris la conscience, a pris la disposition de décréter cette journée, que ce soit chômée, et une journée parmi tant d'autres pour que ça soit célébré. Simon Kimbangu s'est sacrifié pour libérer les Congolais des autorités coloniales belges. Véritable figure de résistance, son combat est vu comme un éveil de la conscience africaine.